Et salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de LCS le Trucker. Donc pour le coup, la dernière fois, on avait effectué une cargaison. Donc pour ceux qui ont suivi en live, je sais plus, je crois que c'était mardi. Oui, pour le coup, c'était mardi. Merde. Pour le coup, c'était mardi dernier. On avait commencé à faire une cargaison. On avait commencé à faire une cargaison, donc du coup on va la finir pour cet épisode-ci. Ouais, ça m'avait complètement sorti de la tête, donc du coup, voili, voilou. Bon, en tout cas, j'espère que vous, ça va bien les amis, parce que moi ça va très très bien. J'ai pas trop de nouveautés cette semaine, hormis les nouveautés que vous connaissez déjà bien, comme les nouvelles séries, etc., les nouvelles choses, donc les nouveaux formats de vidéos aussi qui vont arriver, enfin qui sont arrivés sur la chaîne aussi, donc le format 20 minutes que vous connaissez bien. Et aussi pour le coup, voilà, on commence à se mettre bien, tranquillement, pépère. Je pense qu'on est très très bien. Donc vous commencez à être aussi assez actif sur YouTube, surtout au niveau des commentaires, où vous êtes de plus en plus nombreux à me donner des petits commentaires à lire. Franchement, c'est très très sympa, c'est vraiment un très plaisir. Donc évidemment, les commentaires pour cet épisode-ci, on va le lire dans quelques instants. Et aussi des petites choses comme par exemple les lives. Donc du coup les lives, comme vous le savez, il y en a 4 par semaine, mais pendant les vacances c'est possible qu'il y en ait un cinquième qui arrive le vendredi, je pense, tout simplement parce que voilà, vous êtes en vacances, donc je pense que surtout la première semaine vous êtes plus nombreux. Il y aura aussi le fameux live abonné, ne vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié. Donc le live abo sur FS. Donc ne vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié les amis. Donc pour le coup, la partie elle est prête, donc il me restera plus qu'à préparer les mods. Et pour le coup, je vous les mettrai à disposition sur le Discord. Donc pour ceux qui veulent rejoindre la partie, il faut que vous nous rejoigniez sur Discord les amis. Donc le lien se trouve dans la description. Donc ça sera dans le canal mode live à vous. Pour le coup. Donc n'oubliez pas de télécharger surtout les mods avant le jour J, parce que si vous oubliez de télécharger les mods, pour vous allez mettre beaucoup trop de temps à télécharger les mods et à nous rejoindre en partie, surtout que là il y en a une vingtaine quand même, donc il y en a pas mal à télécharger. Donc si vous attendez le moment où j'ai lancé live pour télécharger les mods, bah vous allez, suivant la connexion que vous avez, vous risquez de mettre du temps à nous rejoindre. Qu'est-ce qu'il y a? Oh putain, poste de frontière. Faut se passer à la bascule. Donc vous risquez de mettre un peu de temps à nous rejoindre. Et du coup, plus vous allez mettre du temps à télécharger les mods, moins de temps vous aurez pour jouer. Parce que voilà, c'est la soirée, ça va pas durer non plus jusqu'à 6h du matin. Donc du coup voilà. Quelqu'un là-bas, arrêtez votre camion sur la rampe. Ah non, moi, il faut que je recule sans percuter ce qui arrive derrière. Hop. Donc du coup voilà. Donc aussi pour mon Logitech sur farming, bon malheureusement j'ai pas trouvé le problème. Bon, il est un peu mieux, je trouve qu'il est un peu moins raide à tourner. C'est chose qui est déjà mieux, mais pour le coup c'est toujours un peu galère. Donc du coup je pense que je serai obligé de faire comme ça, parce que j'ai regardé un peu comment je peux contacter Logitech. Donc si Logitech vous passez par là, ça serait bien que vous me répondez, parce que franchement c'est très très agaçant. Et pour le coup voilà, je suis obligé de faire avec, et voilà, c'est un peu galère, mais bon voilà, on va apprendre à faire avec hein, et puis dans le pire des cas ça va me faire les muscles. Donc voilà, donc après je sais pas dans trop combien de temps on va arriver, parce que vu qu'on avait commencé déjà la cargaison la dernière fois, donc je pense que ça va durer à peu près 20 minutes à peu près, enfin peut-être un peu moins de 20 minutes ce coup-ci, parce que vu qu'on avait déjà commencé la cargaison. Donc je pense que quand on fera les cargaisons de longue distance, ça fera 2 épisodes, donc j'arrêterai à 20 minutes. Donc du coup ça vous fera 2, vous aurez la suite donc le week-end d'après. Et pour le coup, bon, vous aurez
deux fois les commentaires, enfin pas les mêmes commentaires, mais de l'épisode dernier, comme d'habitude, comme je le fais d'habitude, ça changera pas. Mais je pense que c'est ça, parce que tout tard, il faudra faire des cargaisons longue distance quand même, parce qu'il faudra aller voir plus loin. Et pour le clou, et ben là, ça sera pas faisable en 20 minutes, donc je pense que on coupera la poire en deux. On coupera la poire en deux, donc comme ça au moins ça sera plus simple. Ça sera plus simple. Et pour le coup, voilà, ça nous permettra aussi de faire des grandes cargaisons, des cargaisons qui coûteront, qui nous rapporteront pas mal d'argent, même si on a passé les 100 000 euros. Et j'espère que bah pour le coup, voilà, on va peut-être bientôt pouvoir s'acheter notre premier camion. Donc je vais attendre un petit peu encore qu'on ait atteint au moins 150 000 euros, voir à peu près qu'est-ce qu'on peut acheter comme camion. Et pour le coup, on va pouvoir déjà avoir avant d'avoir notre camion, déjà on va avoir passé quelques levels. Et pour le coup, on va pouvoir équiper déjà de base mieux notre camion. On partira pas avec un truc tout moche. Et franchement, ça c'est cool. Donc du coup voilà, bon bah pour le coup on va commencer par les commentaires, vu que je ne sais pas du tout dans combien de temps qu'on arrive. Donc je vais faire les commentaires tout de suite. Donc du coup on va commencer avec Chelsea qui m'a fait une bonne vidéo, plus un like, c'est super, avec un volant c'est plus réaliste. Oui effectivement c'est plus réaliste, et franchement c'est un vrai plaisir de jouer sur American Truck avec mon fameux Logitech. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, je vous mettrai en fiche la vidéo unboxing pour le coup que j'ai faite il y a quelques jours de ça, voire même une semaine, voire deux semaines. Je vous mettrai si j'ai pas oublié, je vous la mettrai en fiche. Et pour le coup voilà, donc c'est vrai que j'ai pris je commence à prendre un peu en main mieux la chaîne, surtout dans les publications. Donc, par exemple, vous avez pas systématiquement, mais vous avez des fiches, des suggestions de fiches, vous avez des suggestions automatiques en fin de vidéo, donc ça vous permet de voir, de vous présenter des vidéos que vous avez potentiellement pas vues, et pour le coup ça vous permettra de pouvoir les regarder, comme ça vous saurez à peu près lesquelles que vous n'avez pas vues. Donc c'est automatique, hein, je l'ai mis en mode automatique, donc évidemment il faut que je fasse quand même la manipulation, donc que ça choisisse la vidéo, mais pour le coup je sais pas quelle vidéo que ça choisit, et tout ce qu'il me propose c'est mettre en automatique, donc le plus adapté pour vous qui regarde. Donc à mon avis je pense qu'il va plus regarder, enfin il va plus essayer de savoir quelle vidéo vous n'avez pas vu et pour vous les proposer pour que vous puissiez les voir, comme ça au moins vous êtes sûr d'avoir tout vu. Parce que c'est vrai que 7 vidéos par semaine, bon bah pour ceux qui sont à l'école, qui sont en internat, vous pouvez pas forcément voir toutes les vidéos, donc du coup vous êtes obligé d'attendre le week-end pour les voir. Donc comme ça au moins ça vous permettra de savoir qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez pas vu. Et pour le coup c'est plus sympatoche. Donc du coup on va continuer avec Evil qui m'a largué 2 commentaires. Donc on va commencer par le deuxième, parce que vu que moi c'est en dégradé. Tu m'as fait hello mon GG, j'adore toujours le contenu que tu fais. Essaye peut-être de te donner un défi en plus de la mission, ce genre de jeu que vu que tu sais rajouter des modes. Alors beaucoup non, sur American Truck, Euro Truck apparemment, ça n'a pas changé de Euro Truck, c'est le même principe pour ajouter des modes. Et pour le coup, je sais que c'est une grosse galère, je m'en souviens même plus du tout comment on fait. C'est une grosse galère et franchement, ouais, à la limite, ouais, peut-être quand dans quelques épisodes qu'on aura fait le tour au sommaire donc, du jeu de base avec les extensions, pouvoir un peu autre chose. À la limite, ouais, j'y songerai, mais pour l'instant, non, je préfère découvrir le jeu tranquillement avec vous. Et comme ça au moins on sera ça donnera plus de contenu, ça donnera plus de temps. Et voilà, ces vidéos, ça va pas durer une semaine. Ça va pas durer un mois, vous n'allez pas avoir 4 épisodes et puis terminé, basta. Voilà, j'ai envie de faire quand même quelques épisodes sur ce jeu. Donc au moins une trentaine je pense, ça serait l'idéal. Donc du coup, tu m'as rajouté en plus, pour ton live 24h, tu es obligé de couper en deux car YouTube n'accepte pas les lives de plus de 11h59. Oui, ça je suis au courant Evil, mais pour le coup le live 24h comme je l'ai dit, donc je vais me répéter parce que vous n'avez peut-être pas forcément vu cet épisode là. Donc pour le live 24h, avec mes problèmes de santé, donc mes problèmes de dos, il y a des grandes chances que je pourrais le faire, mais le souci c'est que aussi j'ai une vie à côté, donc on a des chevaux, comme beaucoup d'entre vous le savent, on a des chevaux, Ingrid et moi, donc pour le coup il faut qu'on aille les voir, il faut qu'on aille s'en occuper, et pour ça j'ai besoin de ma voiture,
Et tout simplement pour éviter les accidents, il faut quand même que j'ai dormi un minimum, que je sois pas trop trop fatigué, parce que si je suis trop fatigué, c'est un coup avoir un accident et ça j'ai pas envie. Donc voilà, tout simplement. Donc du coup on va continuer avec Thomas qui fait salut GG, super vidéo l'ami. Bah, merci Thomas pour ton commentaire, ça me fait très très plaisir que tu quand même restes actif sur la chaîne et ça c'est très très cool. Du coup on va continuer avec FSN qui me fait GG GG pour les 652 super la vidéo, bonne continuation. Alors merci FSN pour ton commentaire, mais il y a juste on a perdu, voilà, pour ceux qui regardent cette vidéo. D'ici là, on aura peut-être monté, mais à l'heure où je vous parle, donc là, on est jeudi où je tourne, enfin, le jour où je tourne, on est jeudi, et beaucoup, on a perdu quelques abonnés. Enfin, là, depuis quelques jours, là, je fais yo-yo, je monte, je descends, je monte, je descends, je reste autour des 100, des 650. Donc, du coup, voilà, on va voir ce que ça va donner pour les prochains lives. J'espère passer les 670, voire même les 700, les 700 assez rapidement quand même. Mais bon, on va voir ce que on va voir si suivant l'allée est venue, vous allez venu sur les lives tout simplement et vos partages. Donc du coup, on va finir avec Izuki qui m'a fait salut, salut GG la vidéo. Tu peux régler la sensibilité du volant dans les paramètres pour plus de RP. Oui. Ah non, putain, c'est vrai que je tourne. En quel con, on sait pas. On va faire demi-tour plus loin. Donc oui, je suis au courant, Izuki, donc merci pour ton aide. Oui, je suis au courant que oui, sur ETS, enfin sur ETS American Truck, beaucoup on peut régler le volant à notre guise, on n'a pas besoin d'un logiciel à la con qui est à part pour régler le volant ou régler autre chose. Donc voilà, c'est vrai que ça, de ce côté-là, c'est très pratique, j'ai pas besoin de sortir du jeu ni rien pour faire des réglages. Ça, c'est vrai que c'est extrêmement pratique, mais ça serait bien que ça soit intégré aussi dans Farming Simulator le 21 pour coup, parce que vu que ils sont en partenaire entre Logitech et Farming, ça serait bien qu'ils intègrent ça dans le jeu. Donc du coup voilà, c'était le dernier commentaire de Izuki. Donc franchement, bah, merci à tous pour tous vos commentaires les amis, ça me fait énormément plaisir. Merci pour tous vos partages, parce que je sais qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui partagent même les vidéos, que ce soit les lives ou les vidéos. Franchement, c'est juste super cool, vous m'aidez à monter, vous êtes présent, vous, voilà, vous êtes cool malgré que bon, il y a toujours des kikous qui passent, même s'ils parlent pas, mais parce qu'ils peuvent pas, normal, mais pour le coup, ils sont là pour faire chier quand même, mais bon, voilà. Donc du coup, les amis, bon, bah, pour le coup, je me suis trompé de sortie, donc on va prendre la prochaine pour faire demi-tour. Est-ce que je peux prendre cette bretelle là pour prendre demi-tour après, je sais pas. Non, j'aurais peut-être dû prendre le suivant. Je sais pas. Non, je crois pas. Je suis obligé de suivre. Bon bah pour le coup ça va être comme ça, au moins ça va durer un peu plus longtemps, parce que là on est arrivé, donc ça faisait que 10 minutes. Ouais, 10 minutes, non c'est pas assez quand même. On va durer un peu plus longtemps, ça va être plus sympa. Voilà. Donc pour le coup, voilà, on aura fini au moins cette cargaison là, donc ça va nous rapporter un peu de sous. Donc je sais plus si j'ai eu des impacts dernièrement. Donc je ne sais pas. Bon pour le coup le tracteur il m'a l'air d'être en bon état, donc ça va. C'est cool. Par contre, il est en chier monté, coco. Donc, j'espère que le. J'espère que ça va pas être trop long le détour, parce que là. On va être à cause de Cabulax. Hein. Hop. Donc, oui, j'ai essayé de régler aussi. Donc, c'est possible que vous, d'un épisode à un autre, d'un jour à un autre, vous avez des différents. Vous entendez différemment ma voix, parce que j'essaie de régler. Ma qualité de micro, donc ma qualité sonore, j'essaie de la régler au mieux pour déjà éliminer tout ce qui est bruit, tout ce qui est putain, je me suis encore planté, tout ce qui est bruit, bruit parasite pour le coup, parce que voilà, c'est vrai que c'est chiant. Bon, j'ai remarqué ce qui était le plus galère. J'ai regardé tout ce qui était. Putain, je m'accroche, c'est. J'ai regardé qu'est-ce qui était qui provoquait le plus de parasites. Donc c'est mon aquarium. Pour ceux qui ne le savent pas, oui c'est vrai, j'ai un aquarium. Donc pour le coup, c'est lui qui m'emmerde. Putain, il est jusqu'à où je vais devoir aller moi. Oh putain, tout à l'heure je suis tombé en rade. Super. Donc c'est l'aquarium qui me fait pas mal de bruit parasite. Donc c'est normal, vous entendez un espèce de bruit de ventilateur, c'est normal, c'est la pompe à air de mon aquarium, donc pour oxygéner l'eau, qui fait ce bruit-là. Ah, bah,
Génial. Bon, bah, on va faire F11. Putain, ça, c'est un truc qui va nous coûter bon break encore. Ah non, c'est quoi? C'est F7. Hein. Hop. Et puis, entrée pour dépanner. En ravitaillement d'urgence, je ne peux pas. Donc, du coup, bah, j'appelle le service technique, une dépanneuse, pour qu'il vienne me chercher. Donc, du coup, on va spawner au magasin, pas trop loin, j'espère. Bon, hashtag boulet, hein, voilà, ça y est, j'ai fait une panne sèche. Ma première panne sèche de toute l'histoire de la chaîne. Même sur Farming, ça m'était jamais encore arrivé. Donc, du coup, on va faire. Déjà, on va démarrer le camion. On va faire. Ah mais non, je suis toujours en panne sèche en fait. Bon bah on va faire réparer. Ah mais en fait il me propose pas de carburant. Ah oh la shit putain de merde. Bon bah je crois qu'on est niqué. Je crois qu'on est niqué. Bon je vais devoir annuler la cargaison. Hashtag les boulets, les boulets, les boulets. Alors, comment on fait déjà pour trouver la cargaison qui est en cours? Bon, bah, je crois qu'on est niqué en fait. Hein. On va peut-être en sélectionnant une autre cargaison, je pense. Hein, on va voir ça. Donc c'est celle-là qui coûte le plus cher. Déjà ça va nous permettre de changer un peu. Donc prendre la mission, consulter la mission en cours. Voilà. Bon bah abandonner. Donc ça va me coûter 12 000. Super. Voilà. Comment perdre de l'argent les amis? Comment perdre de l'argent? Bon bah bon bah pour le coup les amis on va se retrouver pour un nouvel épisode donc dimanche prochain, demain pour un nouvel épisode. Donc normalement c'est Projet Cars, la nouvelle série qui est arrivée la semaine dernière. Donc comme d'habitude n'hésitez pas à commenter un maximum, c'est vraiment un super plaisir de vous lire. Puis n'hésitez pas à partager aussi. Puis sur ce moi je vais vous dire à la prochaine et bah merci de vous.